Bien bonsoir tout le monde. Eh bien, aujourd'hui là nous au CAC et nous décidons de faire un bica parole. Enfin, continuer puisque en disant les CAC nous toujours qu'à faire bica parole. Chaque fois nous peut faire, nous pas faire. Et ça c'est important qu'elle nous fait bica parole là ça d'avoir que le 24 juin 2022 nous ouvrons un barbarie qui fait dans les peuples africains au Maroc et nous t'es étonné. Enfin. En pas même ça si nous peut dire étonné parce que c'est très souvent les on problématique qu'a touché peuple nègre un silence de plomb nous qui dit assez ça qu'arrivé africain assis la terre. Alors le 24 juin nous voit que au Maroc précisément à non enclave que yo ka crier Mélina son petit morceau terre qui ka fait les Maroc ka joindre avec l'Espagne. Eh bien nous voyons que Jean y était qu'à massacrer des Africains qui étaient qu'à essayer jamber puis rentrer en Espagne. Massacre là était tellement appuyé nous que dit d'avoir qu'un de d'avoir que ces gendarmes marocains là étaient qu'à prendre un ayo pendant ces mouna à terre bah y a coup de crosse à fusil bah y a coup de bâton si tête avec brutalité pour fin tuer yo comme si c'était des animaux qui étaient à terre là. Alors, nous choquons que la presse en pays Guadeloupe n'a pas géré la TESA, alors que le pays Guadeloupe est un pays où la majorité est afro-descendant. Ça qui veut dire que nous avons un morceau en nous encore qui est dans le pays africain. L'ambitien qu'a fait en pays la France, nous tout cas rouclé parce que nous avons dit rouclé. Et l'exemple, c'est je suis Charlie. Je tuer quelqu'un, nous pouvons vanter nous que ça fait, mais toujours est-il de tuer quelqu'un. Moun. Eh bien, ils ont demandé le monde entier d'être Charlie, ils ne vont pas être monde d'être Charlie. Nous avons vrai que nous avons une guerre en Ukraine, ils ont juste à un supermarché, demandé Guadeloupéens de participer à hauteur de 1 euro, là on a fait commission pour soutenir ces gens. Alors nous avons dit, est-ce que c'est une dépoids de mesi à la tête? Nous avons pris mesi pour leur voir où sont les noirs, et on prend mesi pour leur voir où sont les blancs. Alors c'est pour ça que nous avons dit le silence tue. Parce que si nous laissons ça faire, ça veut dire que tôt ou tard, nous qui ici dans, sommes bien qui viennent joindre nous. Donc nous ne pouvons pas accepter que ça arrive à peuple africain et pas d'y aller. Et nous ne pouvons pas non plus accepter que nous puissions payer devant sa télé, nous puissions payer télé ici dans, et que les gens qui sont censés porter les formations, qui font comme s'ils n'étaient pas au courant. Alors c'est pour ça que je là, en tout cas, tiennent vers deux ou trois personnes de parler de ça, parce que si nous ne pouvons pas porter l'information, les gens ne pas savent. Et nous avons le Guadeloupéen qui est étonné de tant que l'atrocité là ça fait. Alors, faut savoir que le pays de l'Afrique, c'est un pays qui, les Blancs arrivés, ils ont divisé le pays là. Ils ont mis Côte d'Ivoire, ils ont mis Sénégal, ils ont mis Mali, enfin, ils ont divisé pour intérêt personnel à eux. Mais tout peuple là, ça, c'est un seul peuple. Ils ont effectivement tenu des messes et l'habitude différente d'un point ou d'autre, comme on apprend à manger un genre, on basse à manger un autre genre, mais ça n'a pas empêché que toutes ces menaces, c'est Guadeloupéen. Et bien, l'Afrique, c'est même mité là. Et c'est vrai que de par l'histoire, nous avons changé qu'effectivement, les peuples arabes ont déjà commencé, ça a créé le servile de l'homme noir. Ils ont mis un homme nègre en bas l'esclavage, mais. L'Europe, qui était soi-disant un pays prévenant, continuait, il y avait un mode d'emploi qui nous a créé le code noir. Donc c'est pour ça que toutes ces bidons-là, ça méritait dénoncer parce que nous, en 21e siècle, nous pas hier, nous allons ou quoi pigeon bouton, ou quoi trouver en Suisse, ou quoi trouver au Japon, ou quoi trouver tout partout. Allez là, ça, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait un marché sur un peuple parce que la couleur est différente. Et nous-mêmes, voilà, dans des reportages, on a dit qu'au Maroc, l'homme a passé, et madame qui madame a craché sur yo parce qu'elle est noire. D'accord? Donc, toutes ces bêtises-là, ça, je dois faut nous dénoncer. Parce que si nous laissons ça faire dans le monde, demain, c'est que tout le monde. Donc, c'est en l'aide de débat-là, ça, qu'elle nous a parlé. En l'aide, est-ce qu'il y a un peuple supérieur ou un autre? Est-ce qu'un peuple doit faire atrocité ou un autre? Est-ce qu'il y a des peuples qui méritent respect et d'autres pas?
est-ce qu'il y a abomination faite pour un qui négocie la terre? Parce que quand on soit là, il y a une hypothèque via. Il faut faire quoi qu'ils sont petits mounes, faut qu'ils aient des meilleurs. On est toujours en train d'aider l'Afrique, on est toujours en train d'aider le peuple noir. Et puis, il faut que ça reste. Nous sommes des mounes qui ont toutes d'autres qualités mounes. Et ça qui s'était, le silence tue. Nous avons des enfants, nous avons un devenir. Si nous sommes dans l'objectivité du vivre ensemble, il faut que le respect s'installe.